Allez, de retour sur les lieux du crime. J'adore ces épaves. Ces épaves. Attends, si on regarde bien, il y a toujours le démarreur. Oh, ok, bah maintenant il va falloir le sortir. Bon, je vais voir comment je me débrouille pour sortir tout ça. C'est un petit peu plié, hein. Bon, elle est presque neuve, cette voiture. Elle est presque neuve. Bon. Allez, on va attaquer. Je sorte la colonne de direction pour pouvoir accéder à celui-ci, puis j'ai l'autre derrière. Donc, allez, j'ai dégagé un peu autour. Non, il doit sortir. Et c'est le cas. La minute nationale géographique. Ah, je perturbe ces dames. Là, il faut faire attention, Dine Dieppe, il y en a de partout. Et celui-ci. Vous voyez, vous êtes filmé. Et puis. Il y en a un autre là. Celles-là, elles viennent de naître, elles font sécher leurs ailes avant de se lancer pour leur premier envol. La piste est dégagée, prêt à décoller. Oh, visuellement, il est globalement en bon état. Oh, et puis après, j'ai réussi à faire refonctionner celui de la Fiat 128. Ce serait interpellant que celui-ci ne redémarre pas. Mais bon, nous ne sommes pas dedans. On a la réputation d'être feignant, et c'est vrai. Voilà. Là, je pourrais rechercher la douille pour remettre sur ma clé à cliquer. J'ai la flemme. Je préfère me fatiguer avec une clé plate plutôt que de laisser marcher la machine. Mais l'effort à réaliser pour chercher dans le sachet, je sais, c'en est risible. Allez. Bon.
fil. Bon, je vais prendre un bout de fil là-bas. Bon allez, je vais pas perdre mon temps. En même temps, comment le courant il peut passer, tout est rouillé. Puis la première vue, c'est grippé. Allez, on ouvrira au garage comme d'hab. Bon, déjà, je vais passer voir les staffettes. Il va falloir que je regarde si effectivement le démarreur est le bon. Parce que autant c'est pas le bon et je vais pas perdre mon temps à refaire un démarreur qui n'ira nulle part sur une plateforme, donc pas sur une estafette. Allez, je suis en balle. Allez, on est sur place. Alors, est-ce que ça va rentrer? Je crains malheureusement à première vue que ça ne soit pas bon. Les attaches m'ont pas l'air d'être aux mêmes endroits. Un coup pour rien, je le crains. Malheureusement, on n'est pas bon. On n'est pas bon, les attaches sont pas aux mêmes endroits. Je dis ça, mais en fait là c'est bouché. Là il y a une attache qui est cassée, mais il y a celle en dessous. Autant ça fonctionne. Bon, je vais le ramener au garage et puis voir ce que je peux faire. Bon, j'ai débouché le trou du haut. Le trou du bas est là. Bon, il y a un morceau qui est cassé sur la boîte, mais bon, j'aurai deux points d'ancrage pour le démarreur. A priori, ça passe. Voilà. Je vais avoir celui-ci que je vais pouvoir boulonner, celui-ci qui est cassé, et celui-là que je prendrai en sandwich avec un boulon. Allez, on va essayer, mais je pense que c'est gérable. Ouais, ça serait bien de l'entendre péter celui-là, le moteur. Sur une estafette presque neuve, franchement, ça vaut pas le coup. Allez, il va falloir que je démonte ce démarreur pour pouvoir bien tout nettoyer, pour le rendre fonctionnel et pour pouvoir faire une tentative de remise en route de cette estafette. Voilà, donc là je vais attaquer comme à mon habitude. Je sors d'abord la partie arrière, ce qui va me permettre de désolidariser ces deux parties-là. Et ensuite on verra récemment tout ça, ça va être grippé là-dedans. Voilà. Le coup classique. Allez, mon démarreur est quasiment démonté. Bon, ça c'est tout ce qui est sorti de l'intérieur. Il faut avouer que c'est quand même costaud. Bon, là je vais voir ce qu'on les charbons là, ils sont vraiment au bout. Je vais voir quelle solution j'ai, si je veux espérer que ça refonctionne encore un peu. Et puis bah, je vais quand même nettoyer tout ça dans la mesure du possible, bien nettoyer les portées ici, essayer. Alors là ici j'ai une goupille à faire sortir si je veux extraire ces deux morceaux. Bon, je vais quand même essayer de nettoyer l'ensemble sans avoir besoin de sortir la goupille, parce que j'ai peur que, prise comme elle est et comme j'ai pas le bon chasse goupille, je pourrais toujours prendre celui que je me suis fabriqué dans le ravin, mais j'ai pas envie de prendre le risque de casser le démarreur. Ça serait quand même embêtant. Alors donc gros coup de nettoyage sur tout ça et après on essaie de remonter. Allez, au final j'ai pas résisté. Bon, ça c'était une vieille tige de culbuteur que j'ai meulée au bout pour pouvoir
me servir de chasse goupille et du coup bah, ça m'a permis d'extraire tous les morceaux. Alors comme ça je vais pouvoir les nettoyer, les dérouiller, les dégripper séparément. Bon, là il y a un petit peu de boulot et après je remonte tout ça. Je suis toujours autant bluffé par ces démarreurs qui arrivent à repartir, à refonctionner, alors qu'ils sont restés pendant des années dehors à subir les intempéries. C'est vraiment bluffant. Et puis bon, il marche. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, bah, j'ai plus qu'à le remonter sur l'estafette.